Maman, c'est comment? Live my life. Mais le gars là est beau jusqu'à. Il est sexy, il me plaît. Bien beau. Moi je suis non. Ah, il est bon. On n'a pas mis ce rêve. On n'avait pas des rêves. J'avais pas mis ce rêve. Elle l'aimait bien. Attendez, il y a un homme. Madame, can I have sugar, please? Yeah. Thank you. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Je suis au McDonald's là. Je suis venu manger un peu les pancakes. Ça fait longtemps, le nom là est sorti dans vos bouches. Donc en ce moment là, je suis au pancake ici là. Je suis sorti le matin. C'était pour qu'on arrange le... Comme il met un truc là-dessus dans ma voiture là. Arrivé là-bas, ils ont commencé à me dire que il faut que tu partes là-bas, il faut que tu partes là-bas. Non, on n'a pas ça ici. J'ai commencé à me balader. Lorsque vous voyez là, il est 8h45. Yeah. Thank you, madame. Yep. J'ai commencé à tourner. J'ai vu la femme qui est en train de me ronger. Je suis venu manger les pancakes, comme vous me voyez là. Les pancakes comme ça. Les pancakes du russe, c'est faux pancakes qui vend là-bas. Où ils vendent ça? Où ils vendent ça? Là-bas à Moscou, là où il s'était perdu là-bas. Il vient me parler ici là, au lieu de rester dans son Moscou là-bas, il vient me parler ici. Tu es sexy hein? C'est moi qui ai parlé. Je mange des pancakes et avec du beurre et puis j'ai pris un café. Ah, mais le gars que j'ai vu tout à l'heure, il était beau jusqu'à. Non? Je suis au McDo comme ça. Il y a tout le monde qui mange ici le matin. Juste tout le monde. Même tout le monde qui mange ici là le matin. Ah ouais. You answer, you not answer, it's not my problem. I don't have this time, okay? I'm boula, mais je lui ai dit quand même bonjour. Mais il me ferme les yeux. Comme si c'était quelque chose. N'importe quoi. Comme si je lui demandais que non, paye-moi un sandwich. Il y a les gens qui sont terribles. Avec l'impolitesse, ils disent qu'ils sont polis, qu'ils ont été éduqués. Mais l'éducation, rien du tout. Zéro, 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 un gros zéro. Parlez de bêtises là. Je suis black, hein. Je ne suis pas blanc. Je suis black. D'accord, ma chérie. Voilà. Pour être bien clair. Ce n'est pas vous que je dis. Il y a quelqu'un là à côté, là. Un homme. J'ai dit bonjour. Il a fait comme si je lui ai pas dit bonjour. Comme si je lui demandais que non, paye-moi un sandwich. Paye-moi le cul. Attendez, je mets d'abord le truc là. Je mets d'abord le café. Je mets d'abord le sucre dans le café. Attendez. Nous sommes au McDo là, pardon. Ne faites pas le scandale. On est au McDo, chérie. Hein, bébé? On est au McDo ici, mon amour. Pain blanc là. Moi maintenant là, j'attaque. Tu me réponds pas. Regardez même la chose que je n'ai pas répondu. Regardez. Tu n'arrives même pas à manger.
vient parler à quelqu'un, il est venu avec son père. Son père vient lui payer. Il sait combien de temps mon père ne m'a pu payer à manger ici sur la terre. Voilà toute la chose là. Toute la chose. Tu ne m'as pas regardé. Quand tu ne me regardes pas, nos problèmes. Ne gère pas ça. Moi j'aime le Bangala. Tu le baises pas. Adore le Bangala, voilà qui est là-bas. Maintenant il a commandé, il est en train d'attendre que son père puisse lui mourir. Hein? Pas ça. Il vient me parler. Je lui ai dit carrément bonjour. Hein. J'ai dit bonjour, le gars m'a ignoré carrément. Comme s'il était Jesus. Maman. À quelle époque? En 2022, si. Hey! Vous parlez ici. Hein? Oh. Il est là-bas, il est maintenant venu s'asseoir en face de moi pour qu'il me regarde bien. Comme si je me fais nourrir par les parents. Il sait depuis combien de temps les parents ne m'ont plus nourri. Il sait combien de temps. Et qui est moi aussi, j'aime le. Regarde ton poids. Quand on te regarde, on sent que tu n'as même pas le Bangala. Regarde-moi le chien. Parce qu'on se dit qu'il est blanc. Vois comment il mange comme quelqu'un qui veut tomber. Quitte à eux marcher. Il lance seulement des pieds comme ça, là, comme la tortue. Là. Comme la tortue alors qu'il est en train de marcher. Il vient me parler, je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Vous avez dit qu'il n'a pas compris. Il a bien compris. Bien. I'm speaking on the phone. En train de me regarder, tu veux me mettre maintenant les gros yeux là. Tu veux mettre les gros yeux par rapport à quoi? Levez-moi la marche aussi le matin, c'est lundi matin. Il se monte. Il a dit qu'avant bonjour. Hein. Aïe. Maman, le gars a tourné la face, il m'a toisé. Et il y a un blanc là-bas. Attendez, il y a une blague ici. Attendez, j'ai vu une blague. Regardez le téléphone, j'arrive. Il est un peu sale. Il est un peu sale, un genre. Avec le jean. Donc, quand j'ai vu le jean là, avec ses habits qu'il portait là, j'ai senti seulement que non, s'il enlève le pantalon, là, ça va être l'attentat mondial de l'odeur. On appelle ça attentat mondial de l'odorat. Même la souris n'a jamais senti comme ça. Un homme qui a fait 4 jours, 5 jours, il ouvre le Bangala, quelle odeur va être là-bas? Quand je l'ai vu, là, apparemment, il est même avec une Mexicaine. Parce que c'est leur travail ici de baiser les femmes mexicaines. Et voilà. C'est un bandit, mon frère. Je viens de voir son visage. C'est un bandit. Est-ce que Tupac est là pour me prendre la part? Tupac n'est pas là. Mange mes pancakes, je rentre chez moi. J'ai déjà payé mon banga, na sokoto. Donc, comme je vous disais, là, je dois dépenser encore 400 $. Où l'argent là sort d'où je ne connais pas. Où ils ont mis l'argent dans mon compte et en banque, je ne connais pas non plus. Un gros 400 $. Maintenant, il faut encore que je commande le truc. Quelqu'un mange des pancakes ici? Qui a mangé les pancakes le matin? How are you?
dit, elle prend quelque chose, on emporte. Elle va emporter des... Voilà qu'il mangeait là-bas comme un bulldog. Il avait son père. Il est quand même beau à la face. Consultation pour consulter la voiture. Aïe. Pour consulter la voiture, il faut prendre 200. Les 200 là, ce sont eux qui m'ont donné les 200 là. Ils ont fini mon argent. Non, je retourne là-bas, je peux leur dire que non, donnez-moi mon argent. Je ne veux plus. Tournez-moi. S'il y a les gens là, pardon, il faut aller dehors là-bas, vous contrôlez ma voiture, on peut voler ça. Sortez là. Vous allez dehors là-bas, vous restez là-bas. Restez là-bas. Vous voulez qu'on fasse un direct aujourd'hui? Moi, je suis fatigué. Comme vous me voyez là. Vous voulez qu'on fasse un direct aujourd'hui? Comme vous me voyez en homme là. Vous êtes... Dites que mais la physique, c'est la problème. Je suis en train de couper le parc et qu'on dirait que c'est la viande que je suis en train de couper. I love it, my God. Je suis en train de couper. Tu me regardes, tu me fais le congo ça avec ton père, je m'en fiche, je m'en fous. C'est pas mon problème. Fais-moi le congo ça avec ton père, c'est toi qui m'as accouché. Je parle ici là fort. Oh la merde, ils ont même plus parlé, on est en prison ici. Je parle comme je veux. Je vous ai donné mon argent, je mange et après je pars. C'est clair et net. Et la caméra là-bas, pour bien me regarder, pour bien me voir. I got you, baby. Client est roi. La cliente est roi. Il y a quoi? McDonald's aussi, c'est un bon coin aussi pour draguer. Hein. Maman, celle-là, elle est venue seulement avec les fesses serrées comme celle-là dans McDonald's. Et moi-même d'abord, je ne vais pas au travail comment. N'est-ce pas, je me mets nuit à poil. Que le cul, que n'a ouvert. Les filles, je me suis réveillé à 7h30. Pour aller chercher l'adresse. Si je vous dis lorsque je me trouve, vous n'allez pas croire. Et c'est derrière rassasié. Le vieux papa qui est ici là. Ah, c'est toujours vous, c'est votre pays. Nous, on va dire quoi? On va rien dire. C'est votre pays, baladez-vous. Mais ne foulez jamais mon territoire. Le blond, c'est beau. Hein. Celui qui sert là. J'adore bien les blonds qui ont des poils au cul. C'est du café, c'est du Mac. On appelle ça Mac Coffee. Moi-même, dans le restaurant comme ça, j'oublie que non, il y a les gens, ils sont en train de crier, parler comme chez moi. Mais je suis libre de faire tout ce que je veux. Je ne suis pas en train de faire le tactage, je suis en train de discuter, je ne suis pas une folle. On va me mettre dans une salle de crise? Non. Je suis en train de causer avec les gens dans Facebook ici. Au moins, vous allez être mes témoins que je ne suis pas folle. Mais je ne suis pas folle, non. C'est bien, il y a les McDo chez vous là-bas. Ouais, je pense à Meng et de Nomba qui est le père à ton âme. Meng et de Nomba Kele. Nomba Kele à Libreville. Meng est morte comme ça, là, je n'ai même pas vu le corps. C'est après peut-être 2 ans que j'apprends que mon amie là était morte. Vraiment. Meng, un très grand danseur de la danse traditionnelle. Je n'oublierai jamais Meng. Jamais. Je ne vais jamais oublier Meng. Meng m'a logé. Meng, quand je n'avais rien à Libreville, Meng m'a pris et m'a gardé chez elle. Je ne pourrais jamais oublier. C'est après 2 ans que Patricia me dit que est-ce que tu sais que ton ami était mort de la jaunisse. La jaunisse l'a attrapé là. Papa, papa, il est tombé, il est mort. Père à ton âme, Meng. Si seulement les morts pouvaient nous écouter. La danse que vous voyez là aujourd'hui, la danse que vous voyez aujourd'hui, là où je tourne les reins, je ne connaissais pas tourner les reins à l'époque. C'est Meng là à Libreville.
qui m'a appris à tourner les reins avec la danse traditionnelle parce que lui, on l'invitait dans les boîtes de nuit pour aller danser les danses traditionnelles de chez nous au Gabon. Et c'est comme ça qu'il m'apprenait à danser parce qu'il manquait même des danseurs. Il me dit, mais toi, tu es là, non, tu m'accompagnes toujours. Tu m'accompagnes toujours. Mon comportement est bizarre, hein. Ok, va dans un autre direct. Va dans un autre direct, j'étais bloqué. Donc, lorsque vous me voyez tourner les reins là, et tout, c'est grâce à Ming que j'ai connu la danse. Elle vient me parler carrément que, non, que mon comportement est bizarre. J'étais demandé à manger le matin. Bitch, imbécile. À moi la chienne. Attends, je sors dehors, tu sauras tout de suite là. Tu m'as provoqué, non? Attends, je viens. Je t'ai bloqué, mais tu es encore là. Attends. D'ailleurs, je ne mange plus. Toi qui es là derrière moi là, je ne peux pas laisser mon téléphone là. Pas que tu me voles ici. Il y a trop de voleurs ici. Pas jeter toi la poubelle, je mange. Venez sur votre table. Je vais vous donner l'argent, je suis encore à la table ici. Ma chérie, règle ton téléphone. Hein. Ne me parle plus de mettre le volume là. Si tu me dis encore de mettre le volume, je te bloque. Je suis pas une bêtisier. Ou une bêtise. On jette la poubelle ou même dans ma vidéo. Pardon, je porte mon téléphone parce que là, vous là. Confiance à Tabé. Faites confiance avec vous. Portez ça à la main. Il y a les toilettes ici. Ne touchez pas mon café, hein. Je n'ai pas aux toilettes. I'm coming back. Et au café là disparaît là. Vous allez mettre encore l'eau chaude au feu tout de suite. Là, on ne va pas vous dire. Viens d'abord ici. Ça c'est le. Hein? Oh, Awana. Ok, thank you so much. Yep, yep. Oh. C'est quand même bouché ça, je ne peux plus servir. And you walk all day? What's that? You walking all day? Am I walking? Working all day? Yeah. Am I working for free? Oh, okay. Alright, I gotta go. Oh, have a good day. iPhone. Tu as la sorcellerie ici. Just pas. Ah, you hear him. Il y a pas de papier. Coronavirus, quand tu rentres même aux toilettes, il faut vider
tu fais d'abord passer un peu le papier. Parce qu'il y a maintenant le coronavirus. Moi, je suis vacciné, je ne veux plus avoir du corona. Non, 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 non. Du corona nas. Du corona nas là, maintenant, là, sur moi, là. Pardon, laissez-moi sortir dans le corona nas. Eh, hey, mon café, oh. Ok, thank you. Thank you. Aïe, maman, le froid qu'il y a aujourd'hui le matin, là, c'est autre chose. Ah, quel bon soleil. It's good time to the bitch cold. Ah. Sometime, you know. Yeah. And I'm celebration Vanessa. Et pas le cake. Et le soleil, oh pardon, je profite. Les mamans là me regardent. Comme vous, vous n'avez pas mis les enfants pédés. Moi, mes parents m'ont mis étant pédé, oh, je suis pédé. Et pas le célébration. Ben ici, ils m'ont mené. Oh, thank you. You like it? Thank you. Dis qu'il est ma voiture. Est-ce pas je fais homme là? Elle peut aller me voir. Elle peut me voir dans quelques heures avec les perruques. Là on voit un homme. Elle peut voir une fille là-bas avec un gros cul. On demande que maman celle-ci qui l'a baisé hier. Hein? Alors, s'il y a le soleil, maman, c'est le matin, il est quelle heure chez vous? Ben, le direct n'est pas maintenant, hein. Bon, aujourd'hui, vous avez quand même 3 bonus. Vous avez 3 bonus aujourd'hui. La première serait pour danser. La deuxième serait pour des divers. Et la troisième, ça serait pour le cul. Have a good day, huh? Yes, thank you. Moi, l'anglais vient déjà un peu, hein. Comme je ne parle jamais ça là. Tout maintenant parler. Ça va, bébé? C'est là où ce que les idiotes là. C'est là où ce que les idiotes là disent. Vous voyez? Vous voyez? Regarde comment il est beau. Au lieu de rester homme comme ça, regarde comment il est beau. Hein? Il est beau comme ça. Regarde comment il a tout. Depuis que tu as un mari, depuis que tu as un homme, tu as oublié que tu étais vendeuse de tomates et de Janssen. Regarde celle-là. Elle est dans une grosse voiture métoise. C'est comme si peut-être que non, la Tessie, elle est en haut et qu'elle ne va pas descendre en bas. Ma chérie, même si ta voiture coûte 1 milliard, tu vas que descendre dans la voiture là pour aller aux toilettes, pour aller te laver, pour aller faire tout. Dans le nyanga que tu me fais là, j'attends le jour que tu vas mourir. Idiote pas. Je la dis bonjour, une dame, elle ne me salue pas. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas me dire bonjour. Pardon, vous, dites-moi bonjour, pardon. Satan numéro 2, non? À sec, en Libye. En Libye. Une fois en Libye, Ndemba va manger ton tchep là-bas. Vous, les Sénégalais qui empoisonnez les gens. Bande d'ignardes. How are you? Quand il va taper celle de Las Vegas là, il va la mettre les olos. Elle n'a jamais eu les olos comme ça.
Pierre se va comme Shaolin. Donc quand tu viens comme ça, tu lances le pied, tu attrapes la tête. Bam! Confirme. Après, tu la baises. Mais comme moi, je ne baisse pas avec les trucs contaminés. Avec les produits non mûrs, ou bien qui ont été mûrs, mais qui ne sont plus d'une bonne qualité. Là-bas, j'ai des assiettes. Là-bas, j'ai des chambres. Maman, il faut voir quand on lave les chambres là-bas, on est comme ça. La souffrance de ça. Moi, j'accepte. Je préfère porter mes cartons. Je ne peux pas laver les pipis et les caca et les spermes sur les matelas. C'est le boulot que j'ai fait à l'époque. Je ne fais plus ça maintenant parce que ça ne paye rien. Ça ne donne rien. Je ne vais pas être esclave de laver les chambres des gens, d'arranger leur lit toute la vie. Changer de boulot. Changer de travail. Mon frère, tu ne changes pas de travail. Voilà un homme qui est là avec mon cul. Un homme est là. Il est en train de soulever le pied pour qu'il voie comment j'ai soulevé le cul. Et les fesses et le cul. En même temps, mais dépendent, you know. C'est un homme qui est passé là. Bon, moi, je vous laisse. Hein. Il est temps que je prenne mon petit déjeuner. Le gars, c'est beau. Wow, il est mignon, hein, je l'aime bien. Il est très mignon. Hey, il est avec sa femme dedans. Va te faire chier. Bon. On va la sorcière, là. Maintenant, tu reviens ici. Tu es en train de revenir ici. Diaspa. Regarde-moi une diaspa comme ça. Tu dois fatiguer, c'est à cause de toi. Tu me fais encore dépenser $500. Tu veux la photo? You need picture? You need my pic? What the fuck? Imbécile. Tu veux le pic? Je te donne le pic. Les filles, laissez-moi comme ça. Il y avait trop le froid ici, là, hier. Avec beaucoup de vent. Moi aussi, j'ai pris la porte, j'ai laissé la porte ouverte. J'ai laissé les fenêtres ouvertes. Ce que ça m'a fait hier. Je sors là payer le banga comme ça. Maintenant, je rentre à la maison. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un là qui part se faire foutre. Et j'ai oublié de mettre l'huile. Et j'ai oublié de mettre l'eau. Voilà là un autre problème encore. L'eau est finie dedans. Non, je peux partir. Si ça s'arrête en route, que ça s'arrête. Je m'arrête pas, c'est fatigué. Pas chez moi. Si tu vas, arrête-toi en route là-bas. Il n'y a pas de souci. Arrête-toi. C'est pas mon problème. Donc, j'ai payé ça. Ça là, ça vient déjà enroulé. C'est juste un joint. Ça vient déjà enroulé. D'accord? C'est juste un joint. Bon. Et j'ai encore payé une autre qualité. Ça, c'est l'électronique. C'est quoi avec toi? Ça, c'est l'électronique ici. Voilà, donc je fais sortir ça et puis je mets ça dans le chargeur et puis je fume. Donc, ça fait deux. Mais je commence d'abord avec celui-ci parce que j'ai besoin de ça. Hé, maman, j'ai mis la musique. Avec ça. Donc. Pardon, parce que ça, c'est un homme. C'est l'homme qui est beau comme ça là. Hey, pardonne papa. Hey, maman, c'est l'homme qui est beau comme ça. Hey, pardon, je suis arrivé ou quoi? Merde, c'est l'homme qui est pas dans son, je te vois. Pardon, je vais mettre la caméra pour que vous le regardiez. Maman, il est beau jusqu'à. Un jeune.
Oh my God. Mais c'est celui qui fait Doordash. Mais sa démarche là est bizarre. Attendez, regardez-le. Mais sa démarche est bizarre. Mais il est très beau. Mais sa démarche est bizarre. Ah, vas-y. Je t'ai vu un peu un Jean-Jean. Tu marches bizarre. Moi, je ne recherche pas un homme qui marche bizarre. Je cherche un vrai homme. Quelqu'un qui marche déjà bizarre là. Excusez ma vie. Va marcher bizarre ailleurs. C'est pas chez moi. Je ne veux pas les gens qui sont mal formés. Des gens qui sont... Moi, je n'aime pas ça. Mon mari doit être parfait. I don't know one something. I don't know one something. You broke your legs or you broke something. I cannot. Donc je vais passer alors par Kobe. Parce que ici là, ils ne vont jamais me laisser passer. Donc c'est mieux que je passe par l'autre jour là pour vite atteindre la maison. Oh mon Dieu, c'est chaud. Je ne vais pas attraper mieux, mais il était bien beau. Hein. Il était bien beau, il est beau dans la voiture jusqu'à. Mais la façon que je l'ai vu marcher, là, on dirait que non, qu'il était en train de faire les mini pam pam. On dirait qu'il était en train de faire les mini pam pam. J'ai dit seulement que maman, pardon. Les histoires de mini pam pam, là, pardon, excusez-moi. Mais il était très beau, il est beau à la fois. Bon, quand j'ai essayé de regarder le Bangala, quand j'ai laissé le danser un peu ça. Bon, direction la maison. Il est 9h57 maintenant. Donc, on se dit à dans 2 heures. D'accord? Mais je suis encore là. Parce que c'est pas quelqu'un qui me paie la connexion. Je la paie $500 par mois. Where my light? I need you lighter. Moi-même. Ça, c'est Goldfling. C'est pas ici là que je passe souvent. C'est pas ici là que je passe souvent. Ça, c'est Léo. Non, je connais pas ici. J'ai vu le chapeau là. J'étais obligé de s'enlever. La police là. Bonjour. Ça, là, ça me met Zion. Ça me met Zion là. Ça me met Zion. Comme ça, c'est mieux. C'est moi, mamie. Ça a changé. Le train de vie a changé, maman. Le train de vie a changé. Les mauvaises copines, les mauvaises amies, les mauvaises amitiés, évitez-les. C'est des poisons lents. Évitez là au maximum. C'est les poisons lents. Oh. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Oh. Il y a amis seulement intérêts. Et ceux-là qui disent que non, qui t'aiment un peu là. Que tu peux quand même les accepter un peu. Le reste là, ils se bossent. Vous avez compris ce que je vous dis? Voilà. Vous ne croyez pas, c'est votre problème là-bas. Donc, on s'est dit à tout à l'heure. D'accord. Je suis là dans ma Mercedes à 10h pile. J'ai mangé mes pancakes. Mon café est encore là, je vais le boire. Et je pars à prêter la tenue. Voilà. Nous avons 2 chansons aujourd'hui. Et après, voilà quoi.
Et après, je vous... voilà. Donc, je me connecte dans 2 heures. Quand il est 19h ou 20h chez vous, celui qui est en retard, c'est son problème. Voilà. Aujourd'hui, le temps a changé. Les temps ont changé. Je ne veux plus d'amis. Je ne veux plus de copines. Oh, les copines, restez chez vous. Les copines, restez chez vous. Oh, les mamies congosa, oh, les mamies sorcières. Les sorcières. Les sorcières qui sont sorties de Ngorma Pourri, qui sont sorties du village. Les jalouses, oh, les sorcières, oh, les ambulantes, oh, elles sont ici aux États-Unis avec nous. Ceux-là qui veulent nous tuer, ceux-là qui sont mortes depuis, on les avait tués depuis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes encore revenu refaire en vie ici. Vous devez refaire en vie quoi? Vous êtes revenu vivante ici là pour nous apporter quoi? Hein? Elles sont beaucoup. Les Matapalentep, elles sont beaucoup, ces Matapalentep là. Continuez à jouer avec les Matapalé, vous trouverez sur votre chemin. Vous direz que non, Annabelle nous avait dit. Vous connaissez combien de fois les gens ont fait le Congosa ici? Les pauvres chiennes. Les gens qui ne lavent pas, les gens qui ne lavent pas le cul. Les voleuses dans les hôtels. Faut pas oublier, oh. Moi, j'ai jamais été voleuse. J'ai sucé le Bangala, tout le monde savait, on m'a renvoyé du travail. Il y a peut-être 4 ans aujourd'hui ou 3 ans. J'avais sucé le Bangala de mon collègue, on m'a renvoyé. Il a dit que non, je te mets la ceinture. Il n'arrivait pas à mettre les pas ceinture par le derrière. J'ai dit donc, je t'aide. Je t'aide, j'ai vu le ventre bien poilu là-bas. Bien poilu. J'ai dit ici, Nambing. Nambing, Nambang. J'ai dit ici, le Bangala, si. Refusez-moi ça, mais je vais seulement toucher ça aujourd'hui. Si tu veux, refusez-moi ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, je demande à mon collègue que. Tu veux que je t'aide à mettre la ceinture? Il m'a dit ok, ok. Non, il a d'abord dit non. J'ai dit, oh, donne-moi la ceinture. Je t'aide ici. Tu as honte de quoi? Allez, quand il a seulement dit ça, hein, moi, j'ai commencé à lui mettre les pans ceinture. Mais entre-temps, je mettais les pans ceinture là-bas. L'œil était là-bas au bit. L'œil était là-bas au bit. Il faisait 6h30. Le restaurant devait ouvrir à 7h. Les patrons n'étaient pas là, on n'était que là. Et c'est nous les deux, les premiers là. J'avais dit et j'avais bien calculé mon plan, mais je ne savais pas que ça pouvait me coûter mon travail, maman. Allez. Le pantalon était ouvert, non? Allez, j'ai pris seulement la main, j'ai mis la main. Il swim. J'ai mis la main, swim. Après, je vois le gars, comment le gars a décalé là-bas. Après, ma main est sortie, comme tu vois le Bangala qui sort dans le cul quand il a joué. Ça fait pouf. Voyez un peu le genre là, non? Il dit que, hein, ça a tourné Kazakh, donc tu n'as pas aimé. Donc tous les jeux qu'on faisait là, toi et moi là, on était des collègues, on filmait même ensemble, on riait. Tu as mon numéro de téléphone, j'ai ton numéro de téléphone, tu me vends le Bangala, tu me fais tout. Et après, le gars est venu me gronder, il me dit, il me gronde. Don't do that again. Don't do that. OK? Don't do that. J'ai dit, OK. Maman, toute la soirée, lorsqu'elle avait les assiettes là-bas, le gars m'a torturé. Le gars me dit, why you touch me? Why? Why? Je ne parlais même plus là. C'était comme une mangue qu'on a sucé et que non, c'est resté seulement le noyau. Le noyau sec. C'était seulement là. I'm sorry. Maman, le jour-là, hein, je ne pourrais jamais oublier le jour-là, pardon. Ah! On m'a enlevé du travail, je suis rentré à la maison, je pleurais. Non, j'avais fui le travail parce que j'avais honte de mes collègues que non, on va m'appeler devant. Moi-même, j'avais fui mon travail. Quand je fuis mon travail comme ça, là, allez, mon patron m'appelle. Il me dit, madame. Mon patron me dit, madame, tu viens de me demander la permission, tu décides là que tu as oublié quelque chose à la maison, tu sais ce que tu as fait, tu es en train de fuir. Alors je vais te voir ici là tout de suite. Ah! En ce moment, je n'avais pas encore de voiture, j'avais le vélo.
J'ai encore fait des métaux, j'ai pris mon vélo. Je suis venu au travail. La honte de ça. La honte de ça. Je ne connaissais pas encore ce qu'on appelle la loi américaine. Je ne connaissais encore rien. Arrachement, Auroran, quoi. Des trucs qu'on interdit, tout ce qui est interdit. J'ai commencé à dire ça. Mais regarde-moi, non, salope. J'ai commencé à dire ça. J'ai dit, ok, il y a peu de problèmes, I'm sorry. Après, le gars est venu là-bas au bureau. C'était un jeune blanc, oh maman. Blanc. Après, il a dit que non, le jour qu'il va m'attraper, il va me taper. J'ai dit, hein? Non, quand on avait terminé dans le bureau, hein, on est resté maintenant entre nos jeunes. Il a dit, le jour que je vais encore t'attraper, si je te vois quelque part, je vais te taper. Il dit, ah bon, ok. Là, alors toi et moi, on va se gérer, ça, c'est pour toi de taper là. J'ai horreur de ça. On va donc te taper seulement. Donc toi blanc, comme je vois là, tu vas me taper ici. Quand tu seras en train de me taper, parce que tu es toujours le Bangala. Parce que tu es toujours le Bangala, après tu vas me tuer. On se lance ça. Après, mon patron m'a dit, you fired. Il y en a un. Qu'est-ce que ça veut dire fired? What that mean? I don't know. Je ne connaissais pas encore l'anglais, non? You fired. Il dit, hein? Après moi aussi, je réponds là-bas. Ok, I'm go home. Ok, bye. Et le lendemain, quand je viens au travail, on me dit que, you fired. You cannot work. You cannot work again here. Je dis, ah non, c'est le mot là que ça veut dire fired. Hein? Ok. Je suis rentré à la maison. Mon collègue, je l'ai encore revu. Il l'a encore revu dans le Walmart, quand j'avais vu mon collègue, mais ça c'était vraiment après, hein, peut-être un an plus tard. Et c'était moi qui étais allé vers lui. Il avait déjà même oublié. Je l'ai salué. Après, je lui ai dit, you remember me? A Dutch Yodik the last time. You remember for the Dutch restaurant. On s'est salué. C'est lui maintenant qui a commencé à me dire, I'm sorry, tu sais, je ne fais pas ça. Et en cette époque aussi, j'avais mes problèmes. Donc vraiment, ta. Donc tu m'avais surpris, ça m'avait fait comme un choc. Tu vois, je pouvais bien le faire, mais la façon que tu t'étais prise, tu vois. J'ai été étonné par sa réaction. Et après, on s'est séparés, je ne l'ai plus jamais revu. Donc les gens qui parlent là, qui ouvrent les fesses, qui disaient qu'elles sont quelque chose, alors qu'elles vivent dans des appartements, les filles comme eux, elles ont déjà les maisons. Ici, là, aux États-Unis, les gens ne sont plus en location ici parce que on a vu que la location nous prend beaucoup d'argent. Même moi-même, je suis en train de chercher ma maison, hein, maman. Oui. Je cherche ma maison pour être tranquille parce que, avec les voisins là, moi, je trouvais que, oui, on va beau les enlever, mais il y aura toujours des problèmes. Elles sont dans les appartements. Elles sont parties prendre des chaises là-bas. Des chaises en occasion, dans les brocantes. Comme si quelqu'un peut payer le salon neuf ici. Moi, je vais payer le salon neuf, maman. Salon neuf, oui. Je vais payer le salon neuf. Je ne suis pas dans la brocante. Ils ont mis les petits salons, les petits trucs. Les maisons qu'on vous montre là, allez voir les maisons là en face. Oh, mais la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Les maisons qu'on vous montre là, que ça brille là. Allez voir les maisons là en face. Toi-même, tu vas t'étonner que c'est la maison là ici là que je vois. Oui, c'est ta maison, je la reconnais. Mais toi-même, tu vas t'étonner. La saleté d'abord. Plus jamais mon pied, je vais plus mettre mon pied dans les bêtises. C'est pas quelqu'un qui va m'amener aux États-Unis. Ma prochaine destination, c'est Californie, San Francisco. Voilà, le 18, je prends mon vol, j'ai déjà tout réservé. Mettez ça déjà dans votre tête que le 18, je suis à San Francisco. Voilà. 18, San Francisco. Dans un hôtel de luxe, à pas la peine. Donc on se dit à tout à l'heure, bisous.